Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau glitch d'argent en illimité en solo sur GTA V Online, rapide, vraiment opérationnel, comme celui que je vous ai montré il y a quelques jours, et pour ça je vais vous montrer déjà premièrement les conditions à avoir pour réaliser ce glitch. Donc la petite introduction que j'ai fait ici, je l'ai refaite après le glitch, c'est pour ça que j'ai déjà toutes les duplications, pensez pas que c'est un fake ou un montage, mais j'ai essayé de faire une intro un peu plus longue pour bien tout vous expliquer et qu'il n'y ait pas de, de malentendus. Donc, pour pouvoir faire ce glitch, il vous faudra comme l'ancien, 3... il y a trois points principaux à respecter. Tout d'abord, il faut être dans une session publique avec d'autres joueurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Ou alors, être dans une session publique mais buggée où vous serez solo. Si vous faites la session buggée où vous êtes en solo, l'écran noir va durer seulement 10 secondes et vous allez pouvoir enchaîner les duplications vraiment très rapidement. Et si vous prenez une session publique pas buggée, donc normale avec d'autres joueurs, il faudra attendre qu'un des joueurs de la session quitte pour que ça vous débug l'écran noir qu'on va avoir par la suite. Ensuite, deuxième condition, il faut avoir un garage avec des Ilighy RH8 gratuites qu'on achète aux Legendary Motors et qu'on va perdre avec la duplication et il faut aussi donc des Ilighy Retro Custom donc des Low Rider et j'insiste bien sur le mot Low Rider. Parce que plein de personnes s'amusent à me mettre des messages sous les vidéos des glitches comme quoi les T20 ne se revendent pas, avec la T20 ça a pas marché, les supersportives sportives on peut pas les revendre. Les gars si je fais le glitch avec un Low Rider et que je le revends plus de 700 000, faites le glitch avec un Low Rider, sinon vous ne plaignez pas que ça ne fonctionne pas. Et ensuite, dernière condition, il faut avoir le centre d'opération mobile. Et petite précision que j'ai oublié de dire la dernière fois, mais je pensais que c'était compris pour tout le monde. Si jamais vous ne pouvez pas rentrer votre véhicule dans le, dans le centre d'opération mobile, c'est parce que vous n'avez pas l'atelier de véhicules à l'arrière du camion. Et pour ça, il faut aller donc sur le, sur le site Warstock, aller sur le centre d'opération mobile, et comme vous pouvez le voir ici, module 2, vous mettez module vide et module 3, vous mettez l'atelier de, de stockage de véhicules. Ensuite, pour le placement du, du centre d'opération mobile, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que la dernière fois. Vous cassez pas la tête, vous le collez juste l'arrière du MOC contre un mur. Là, regardez, je l'ai un peu trop collé, du coup, je n'ai pas accès au centre d'opération mobile. Je ne vais pas changer d'endroit, je vais simplement le déplacer un tout petit peu devant vous pour bien vous montrer. En fait, ce qu'il faut, c'est que la porte à l'arrière ne puisse pas s'ouvrir complètement pour que vous, vous puissiez ne pas avoir la cinématique. Donc, regardez, je le place bêtement comme ça, ça marche sur n'importe quel muret devant n'importe quel garage. Et regardez, tant que je peux rentrer dans mon centre d'opération mobile et qu'il est collé contre une petite murette ou un petit mur, c'est que c'est bon. Ensuite, petit conseil aussi, avant de commencer le glitch et de vraiment bien enchaîner tout ça, amusez-vous à regarder si vous n'avez pas un véhicule qui traîne dans le centre d'opération mobile, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Mettez-le dans votre garage. Et dès que vous avez donc tout, tout qui est en place. Vous avez la session publique avec des joueurs ou la session publique buggée. Vous avez les Ligui RH8 et le véhicule que vous voulez dupliquer dans votre garage. Et le centre d'opération mobile qui est bien placé. Testez peut-être même un coup avant si vous n'avez pas la cinématique. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner le glitch et faire des duplications vraiment très rapidement. Voilà pour les explications. Je pense que j'ai un peu tout dit. Là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je prends une ligue RH8 non custom qui est gratuite. Je sors de mon garage et je vais rentrer dans le centre d'opération mobile avec. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Normalement, j'ai bien, bien placé le camion. Je n'aurai pas de cinématique quand je vais rentrer dans le camion avec mon véhicule. Allez hop, nickel. Donc ça, c'est tout bon. Une fois que vous êtes rentré dans le camion avec votre véhicule, vous appuyez bêtement sur la touche triangle. Et ensuite, vous appuyez sur la touche R2, accélérer et vous restez appuyé sur cette touche. Vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas jusqu'à ce que vous voyez spawn dans la map normalement moi à chaque fois regardez vu que je reste appuyé sur la touche R2 dès que je spawn, je me déplace un peu avec la voiture vu que j'ai la touche qui reste qui reste appuyée, voilà nickel. Là, vous sortez de la voiture, elle va disparaître, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous re rentrez dans votre garage, donc pas besoin de la détruire, on n'a pas les étoiles, c'est beaucoup plus beaucoup plus pratique. Et là, on va aller chercher du coup le véhicule qu'on veut dupliquer. Donc, je vais me répéter Prenez seulement des lowriders. Si jamais vous n'avez pas un Lowrider qui est custom au max, prenez un Lowrider custom à moitié. Faites 2-3 duplications, allez les revendre. Allez recustom un lowrider et au bout d'un moment, vous pourrez revendre un Lowrider à 750 000. Les Super Sportives, vous ne pourrez pas les revendre, c'est vraiment les Lowriders le plus, le plus intéressant. Ensuite, ici, je place mon véhicule, j'appuie sur la flèche de droite, et dès que vous avez appuyé sur la flèche de droite, vous allez spammer la touche croix pour faire rentrer le véhicule dans le camion. Donc, je vais vous montrer le moment où moi je l'ai fait, vous allez entendre que je spamme ma touche, mais peut-être que ça va en aider certains. Voilà, et ensuite, du coup, on va rentrer avec la, le véhicule custom qu'on veut dupliquer dans le centre d'opération mobile. Normalement, ici, le petit bug, comme je vous l'ai dit, là, c'est le petit moment qui va être décisif. Soit on va attendre les 10 secondes parce qu'on est dans une session buggée, ou alors on a de la chance. Soit on va devoir attendre qu'un joueur quitte la session. Là, j'ai attendu 10-15 secondes à tout casser. Je remets le véhicule toujours obligatoirement dans le centre d'opération mobile pour valider la duplication en quelque sorte. Ensuite, vous remontez bêtement dedans, vous ressortez du camion et vous mettez votre duplication à l'intérieur de votre garage. Vraiment, vraiment. Pas compliqué, je vous ai dit, franchement, je fais une duplication. Quand je ne suis pas en vidéo, je fais une duplication toutes les 1 minute 30, 2 minutes. Là, je prends mon temps, je fais des ralentis pour bien vous expliquer que personne ne fail, c'est pas le but. Donc c'est un peu plus long. Mais franchement, tout le monde peut y arriver. Même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Faites des missions, faites des courses, faites les activités double RPI, double XP, et essayez de profiter peut-être un peu de ce glitch qui est vraiment rentable parce qu'il est vraiment très très rapide. Là je renchaîne une deuxième duplication devant vous, peut-être pour vous remontrer un peu tout ça, bien vous réexpliquer tout et vous vous montrer qu'on peut vraiment les enchaîner et que c'est vraiment abusé. Donc je reprends une Illigui euh, RH8 non custom gratuite dans mon garage. Pareil, je vais la placer dans le centre d'opération mobile. Toujours donc le camion bien placé, flèche de droite, pas de cinématique, tout va bien fonctionner. Ensuite vous allez remonter dans ce véhicule, appuyez sur la touche triangle, vous appuyez sur la touche R2 accélérée et vous la lâchez plus jusqu'à ce que vous voyez votre joueur spawn dans la session. Très important, si vous lâchez la touche R2, le glitch il est foiré, vous pouvez quitter et tout recommencer. Hop, ensuite ici je lâche la touche R2, regardez, mon véhicule disparaît. Je vais rentrer dans mon garage, je vais aller chercher la, du, le véhicule que je veux dupliquer. Ma Lowrider que je revends 750 000$, il faudra peut-être que j'aille l'équiper à fond un jour. Pour la revendre 900 000 en vidéo, ce sera peut-être un peu plus intéressant. Du coup, je rentre dans mon garage. Regarde, on peut voir les duplications à gauche et les Ligi qui attendent d'être dupliqués à droite. Je prends toujours la même, je ne sais pas si c'est important, mais je reprends toujours celle qui est au fond à gauche. C'est le véhicule, le vrai véhicule. Celle-ci, c'est n'est pas une duplication. Du coup, je ressors et je vais la remettre dans le, dans le centre d'opération mobile, toujours en faisant la petite manip, flèche de droite et spammer le bouton croix, jusqu'à ce que mon véhicule soit dans le garage. Ensuite vous allez voir, c'était vraiment très rapide. Pareil, je vous mets le petit commentaire du jeu au moment là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, un peu plus long quand même. Pas, bah, regarde, bim. Allez, 15 secondes à tout casser. Voilà donc pour vous montrer que c'était vraiment rapide, donc n'oubliez pas à chaque fois de retourner avec le, la duplication dans le camion pour la valider. Et franchement je trouve que c'est vraiment abusé. Je vous mettrai un petit groupe dans la description si jamais vous voulez chercher des joueurs pour vous aider à faire ce glitch. Des fois le chargement est un peu long. Et si vous avez des amis qui rejoignent la session et qui quittent, ça peut vous débuguer et aller plus vite. Et je vous remets un petit passage en live dans la vidéo. La rapidité du truc quoi. 5 minutes que je règle, je fais trois dupli. Hein ça va puiser. Ah ouais, c'est rapide. Ça j'ai des limites plus rentables que le glitch avec la prostituée qui avait. Bon, j'ai que ce glitch à 4h du matin, ce qui explique un peu ma voix. Mais bon voilà, donc je voulais faire... Tout, je voulais dupliquer tout mon garage pour vous faire un peu... vous mettre un peu l'eau à la bouche. Je me suis fail, du coup j'ai pu en faire que 5. Là on va aller revendre une des duplications pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. On peut les revendre. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je la revends seulement. Enfin seulement 750 000$. Elle n'est pas custom à fond. Si jamais elle était custom à fond, je pouvais la vendre jusqu'à 900 000 dollars. Ce qui n'est pas à négliger. D'ailleurs, je pense que juste après ça, j'irai custom... Euh, Ma, mon véhicule d'origine, enfin je sais pas comment expliquer, ma vraie lowrider pour pouvoir revendre les duplications 900 000 dollars. Et puis, et puis voilà, donc là je vais aller la revendre. On arrive pratiquement à la fin de la vidéo, donc si jamais vous n'arrivez pas à faire ce glitch, honnêtement, persistez. Moi aussi, des fois je galère, des fois je me fail, des fois comme un con, quand il faut rester appuyé sur la touche R2, je la lâche, je dois tout recommencer, je passe une demi-heure à replacer mon camion. Mais ça c'était avant, là maintenant c'est beaucoup mieux. Le camion vous le placez en 2-2 comme je vous l'ai montré en début de vidéo, et, et profitez vraiment de ce glitch qui est vraiment pas mal. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et à partager la vidéo pour la montrer à vos potes. Le glitch marche toujours un peu différemment. Et puis moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis bon game et ciao tout le monde. Yeah, let's go.